Bonjour mes amis, c'est Marchand de Tang, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 8 mai. Donc ce matin, je vais aller. Ce matin, je vais aller. Il y a un petit vide-grenier pas loin de chez moi. Alors c'est marqué aujourd'hui, mais bon, je sais pas s'il va y avoir aujourd'hui. Donc voilà. Il fait beau! Voilà, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, il est à peine 9h. Donc c'est le 8 mai aujourd'hui. Donc voilà, bah écoutez, là je vais faire un petit tour, s'il y a un vide-grenier ou pas. Et je pense que je vais tourner les deux vidéos ce matin. Je pense que je vais faire mes achats, et puis après l'autre, je vais voir. Donc je pense que je vais tourner deux vidéos, je pense, aujourd'hui. Mes derniers achats, je vous ai promis, donc elle sortira demain à 10h, demain matin. Et je pense que derrière, je vais enchaîner avec la vidéo auditif pour mercredi. Sinon, je vous le mettrai pour mardi, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir si je peux tourner deux vidéos. Mais j'ai des papes presse à remplir aujourd'hui. Voilà. Je vais voir. Mais déjà, c'est sûr et certain que la vidéo sortira demain. Donc, vidéo de mes derniers achats. On verra. Pour le truc. Sinon, je vais la tourner mardi. Ben ça, c'est sûr, vous aurez une vidéo. Il y a un vide-grenier pas loin de chez moi. Donc, je vais voir. Je vais voir pour les déclencheurs, choses comme ça, je vais voir. Comment je dis? Qui ne tente rien à rien. Mais bon, c'est le 8 mai, donc aujourd'hui, ben, je pars à quatre pattes. Mais bon, ça me dérange pas, vu que j'aime bien marcher, donc... Voilà. Là, je vous fais un peu en profiter. Voilà. Je vous fais un peu en profiter. Cultura. VNB en face, juste en face de vous. VNB. Ça c'est VNB, c'est vin et bière. Le tour de la cave. Donc voilà. Mais je suis très matinal, il est à peine 9h, hein, je vous le dis. Il doit être 9h. Ouais, il est à peu près 9h10 à peu près. Et puis c'est pas souvent que je vous fais beaucoup de stories comme ça, mais c'est une de mes premières fois. Donc voilà quoi. Mais je remercie à Solène. Hier on a vachement beaucoup discuté hier soir. Et ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, on a discuté presque plus de 2 heures. Et puis, voilà. Et comme m'a dit Solène, je suis très très proche de mes abonnés. Et ça, je vous ai jamais caché mes émotions. Ce que je ressentais. Et voilà quoi. Je me suis jamais caché par rapport à ça. Vous savez quoi? Ça va changer de YouTube. Hein. On va faire de l'ASMR. Rien que pour vous.
ça change, non? Je vous gâte mes abonnés là. Et pourtant, on n'est pas sur YouTube, hein. Ah, mon jardin. C'est mon petit jardin. Alors c'est pas kiffant, non? Une vidéo comme ça, c'est pas kiffant. Comme ça dès le matin. Ah oui. Et juste comme ça la team. Y'a rien qui vous choque là, pendant que je vous parle. Vous vous rappelez là la vidéo que j'ai faite pour truc de matelas, de la literie. Et vous avez un retour derrière. C'est bizarre, on l'entend plus. C'est normal parce que j'ai changé de casque. Donc voilà. Je vais peut-être passer voir mon père tout à l'heure. Il n'est pas au courant que je suis sorti parce que comme je dis, il y a un vide-grenier. On va voir s'il y a un vide-grenier. On verra. On va enfin retirer des sous. Non, je vous donnerai pas mon code. Non, interdit. Alors, on va faire retrait. On va mettre à 60. Si vous entendez le bruit derrière, il y a de la batterie derrière, c'est normal. C'est le 8 mai, donc on peut passer vite faire à Mérignac Centre. Comme ça, vous serez. Côté. On va y aller à Mérignac, comme ça vous allez voir. Ça y est, nous sommes en live. À de suite. Thank you.
Ça sent le vide-grenier ici. Vous trouvez pas? Mais oui, il y a un vide-grenier en face. Chouette. Ah, chouette, chouette. Puis on ira tout à l'heure derrière, il y a un petit parc. Faut que je fasse attention parce que j'ai 63 de batterie. Les 69 sont passés. Bon, pour les... pour... 69, hein. Je suis con, j'avoue. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a. A de suite. Vous savez quoi les amis, ça me tente de prendre des cartes de Pokémon pour je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, ça dépend de moi qu'on a rien. Franchement, ça, je suis tenté les gars. Ah ouais, ah ouais, ouais. Dommage que vous n'êtes pas là. Bon, du coup, mes amis, ASMR, on va pouvoir faire des triggles. J'ai acheté des cartes Pokémon. Donc, il faudra que vous deviniez ce que c'est. Alors, j'ai deux grandes cartes. Alors, tout ce que je peux vous dire, j'ai un GX et un. Et j'ai un de. J'ai deux brillantes en fait. Donc. Ouais, je préfère pas vous la montrer. Alors j'ai acheté en tout j'ai acheté 4 cartes. Deux grandes. Et deux petites. Et vous allez deviner dans la vidéo ASMR mes deux Pokémon préférés. Voilà, donc il faudra que vous me disiez quel est le Pokémon, deux Pokémon que je... Donc ça sera deux Pokémon que je préfère. Bon, il y en a une que je préfère et l'autre non. C'est pas ma préférence. Mais de par contre, on va dire trois. J'ai trois cartes que j'aime beaucoup. Il faudra que vous devinez dans la prochaine vidéo. Donc je vois, je vous ai pas oublié mes abonnés. Donc voilà, bah écoutez-moi sur ce, il est l'heure de vous laisser. 10h32, bah moi je vais aller faire un petit tour chez mon père. Je tourne la vidéo ce... Donc moi je suis presque arrivé chez mon père. Donc aujourd'hui je tourne la vidéo, donc demain vous aurez la vidéo. Aujourd'hui ça sera mes derniers achats. Demain je tourne une vidéo dédicace pour toi, ma Solène. Tringles. Donc faudra deviner. Et alors, tout ce que je peux vous dire, vous l'avez vu en vidéo. Tout ce que je peux vous dire, là où je vous montre les cartes Pokémon, au stand, vous avez des indices. Donc, il faudra les trouver. Il y en a un seul. Donc, il faudra la trouver. Elle fait partie de ce que j'ai là-dessus. Et mercredi, ben, je tourne la vidéo audition, voilà. Je nettoie vos oreilles, voilà. Je vous laisse. Bon week-end à tous.